François-Luc, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes aux rencontres business organisées par le monde du droit. Simon Associé est partenaire. Où en est le développement du cabinet ? Le cabinet poursuit son développement, son chemin. Aujourd'hui, nous sommes devenus un cabinet full service, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années encore. Et nous faisons en sorte de renforcer nos équipes pour renforcer cette compétence full service, ce qui se traduit par le renforcement d'équipes en immobilier, par exemple, où nous avions une belle équipe, mais on essaie d'avoir une très belle équipe maintenant, composée de 12 avocats qui ont chacun une hyper spécialité à l'intérieur de l'immobilier. On fait de la promotion, on fait du financement, on fait de l'urbanisme, on fait des baux, de la cession de fonds, du syndic, de la copropriété, donc des métiers très différents, de l'assurance construction. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans chacun des départements, de disposer d'avocats hyper spécialisés à l'intérieur même de chacun de ces départements. Et on a ainsi des départements qui sont de plus en plus étoffés d'hyper spécialistes. C'est ça, être un cabinet full service. Et qu'en est-il du département de distribution dont vous avez la charge ? Le département de distribution s'inscrit exactement dans cette évolution d'hyper spécialisation, ce qui se traduit par un accroissement du nombre des avocats qui composent l'équipe, le département distribution, concurrence, consommation. Et on les rend de plus en plus spécialistes, hyper spécialistes, chacun à l'intérieur de ce département. Ils n'ont pas tous les mêmes compétences dans la distribution, parce qu'en fin de compte, la distribution, c'est extrêmement large. Il y a les rapports amont avec les fournisseurs, rapports aval avec les distributeurs, les rapports horizontaux avec les concurrents, et les compétences des avocats ne sont pas les mêmes. Donc il faut s'entourer d'avocats hyper spécialistes, ce qui passe par des formations incessantes en marge des dossiers et le recrutement d'avocats stars. C'est ce qu'on essaie de faire. François-Luc Simon, merci. Merci.